mouvement famille là, créer ça mouvement camaraderie, créer ça mouvement qui comment dire nous tous capables de dire bonjour, nous occupons camarades. Parce que plus qu'il a, la parole circule dans une dans une habitation, dans un complexe, plus il y a moins de problèmes. Nous capables plus nous capables de causer. De même, un enfant peut faire des autres ou un adulte peut faire des autres, il est plus facile de nous communiquer. Et c'est ça, nous peut profiter de ça 25 ans là pour faire ça. Et me profiter aussi pour remercier tout. Là, nous avons tout man, me profiter pour remercier le ministère logement qui vous donne un coup de main. Le ministère des Sports qui est un partenaire important pour nous là-dedans. Et aussi tout le monde officier en HDC qui peut donner un coup de main. Nous avons M. Raucha qui est représentant ban syndic et ban force vive qui peut faire la liaison entre nous et ban habitants là. Maintenant, si vous avez une question, vous posez-moi. Voilà pour écouter. Alors, la prochaine date, le finissez calendrier, normalement vous avez votre calendrier, c'est le dimanche 5 juin 2016, ça sera l'ouest, 19 juin 2016 le nord, 3 juillet 2016 l'est, 17 juillet 2016 le centre. Le centre, ce sera le complexe de Rosy, là, le complexe de Rosy, sport de Rosy, 31 juillet, stade de Roosevelt, qui veut dire chaque endroit. C'est un quartier qui nous départage nous ça. On choisit un stade qui est approprié et qui est proche de la navigation. Combien d'activités sportives, disciplines pour. On a 5 activités sportives. Dans le relais pédestre, le cyclisme, football, volleyball et pétanque. Donc pétanque, c'est une liste sportive. Pour le cyclisme, monsieur l'entité, c'est pas une bicyclette normale, une bicyclette ou même une bicyclette un peu sportive, qui vous en a. Ouais, bien une question bien posée, parce que même au premier écho de bicyclette, c'est comme ça, moi, cycliste, c'est un intercollège, et moi, je prends une bicyclette pénale dérailleur. Nous pouvons parce qu'ils ont reculé pour longtemps, pas c'est dans des rallyes, derrière pas de vitesse. Mais maintenant, tout bicyclette, même c'est un bicyclette pour les enfants pour jouer dans une vitesse. Ouais. Alors, nous pensons, par exemple, on a combien de tout bicyclette, c'est moi, le but des portages dans les catégories, d'argent. Nous n'avons pas juste des catégories d'argent. Maintenant aussi, nous sommes capables d'un sportif de haut niveau qui habite dans la NGC. Le gain va aussi participer. Nous avons un grand footballeur, nous avons un athlétiste. Et c'est bon, c'est pour une petite pénalité qui nous donne. Je trouve, je ne suis pas un camarade, mais tout le monde n'est pas. Parce que là, quand nous pouvons remplir sa fiche d'inscription, là, il vous vient mentionner là, s'il est licencié ou pas. Il vient de dire aux anciens licenciés. Pareil, comment une rédaction qui nous fait, nous vous demande une rédaction à faire en créole, français ou l'anglais. De 12 à 21 ans. Je vous donne trois thèmes, de choisir, de écrire une rédaction ou là. Je vous donne mal pris tout ça. Et en même temps, nous avons une nouvelle idée. Ça peut nous aider aussi. Parce qu'il nous casse, nous connaît qui est Manuel. Une collègue intégrée, améliorée, femme vert, etc. Mais au début, ce petit métier aussi surveillait tout ce qui est construction illégale, connexion d'eau et mais dans le concret, il y a des résultats. Oui, aujourd'hui, un HGC, il y a une squad aujourd'hui. Le squad, son premier but, c'est vraiment se rendre à pays, dans un pays, dans parce qu'il ne faut pas oublier quand on prend un HGC, quand on prend ici, on a à peu près 120 millions de dettes, et on ne peut pas payer les cachons. Là, nous avons des gens qui ont des gens qui ne sont pas fait payer, qui ont des problèmes, qui m'accompagnent eux. Ils ont des gens qui ont des gens. Et ensuite, ça dit, nous avons des gens là-bas, ils ont des gens aussi, ils ont des gens, c'est la bonne construction illégale. C'est la construction illégale. Ou c'est la bonne du vandalisme aussi. Ils ont des gens qui ont raconté. Ils ont dit, nous avons un rapport de faire toutes les semaines pour venir. Et donc, si nous avons une construction illégale, nous personnellement, nous ne sommes pas capables de prendre des zones, nous demandons à un syndic. Si un syndic, c'est une collectivité locale, bien un district council ou une municipalité, qui prend la décision. Un ancien président du jardin d'enfants, Boulodrome, et un ancien HDC qui était dans sa banane. Est-ce qu'il y a une intention, par exemple, c'était la caverne, de pénal sa jardin d'enfants, pénal en rien. Est-ce que vous pensez dans l'avenir que vous allez là pour créer ou vous faire ça? Bon, ce qu'il nous peut faire aujourd'hui, nous prenons un social motivateur, nous prenons ici, qui peut aider pour créer une association de propriétaires, une association syndic de mon endroit pour créer. Et là, quand je dis fini créer ça, et là, nous sommes capables de guider pour aller regarder, nous sommes capables
demander une subvention, un petit CSA pour aider eux, parce qu'ils étaient vraiment mis à leur disposition. Parce qu'ils n'ont pas accompagné eux longtemps. Aujourd'hui, nous devons accompagner eux aujourd'hui. Mais seulement, je vous invite à une affaire concrète. Je dis, voilà, nous avons une association dans le Parlement, nous avons une association qui a enregistré et tout. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons demandé, nous avons dit, nous avons installé. Donc, communiqué de presse, ça veut dire dénicher les talents parmi les habitants de la NRDC. Quand nous avons un bon footballeur, est-ce que le ministère des Sports vous canalise vers un club, un club de formation? C'est pour ça qu'il nous a associé, nous, avec le ministère de la Jeunesse et Sport, et nous avons un grand coup de main avec le ministre Oubida pour ça. Aujourd'hui, nous avons son représentant qui est là, qui est le senior sport officer, qui est un peu de neuf en fait un autre. Donc, tout le travail est bien, moi, nous travaillons ensemble avec tout le monde technicien de chaque discipline. Nous avons un grand champion là qui travaille en nous, qui travaille en nous. Et quand je peux dénicher un talent, je peux accompagner. Mais c'est pas pour un talent. Quand on a déniché un talent aussi, qui est moyen aussi. Pas parce qu'ils ont les moyens, ils ont pas une bonne main. Ça veut dire que nous avons accompagné dans l'endroit que j'étais, dans la département de l'été, trouver un club là-bas, mettre ce casque à d'un club, suivre eux, pour demain je deviens un futur champion. Parce que vous connaissez, des fois quand on a des enfants là, je ne peux pas connaître ce talent. Je ne pas connaître. Et là, c'est le moment rêvé. Vous êtes capable de montrer aux autres des mains, de mettre un talon, de casse tout ça. Et vous êtes capable d'épargner aux autres la main. Création d'un club sportif aussi dans un NRDC, une occasion rêvée là. Oui. Ça, c'est. Vous ne pouvez pas faire un club sportif dans un NRDC, mais moi, vous comprenez. Le sport, c'est le seul moyen de resserrer les liens pour éviter les problèmes de l'homme. Quand on fait sport, tout le monde vit pour une seule. Vous ne pouvez pas avoir divers pensées. Mais nous ne parlons pas de match de ball, nous allons pour une équipe pour gagner. Nous pas pour guetter, nous pas pour guetter la guerre, non. Nous allons juste tout rassembler ensemble. Ça veut dire que si maintenant, dans une manière visée, demain, tu as envie de créer une association sportive, pour penser au ministère, pour donner tout un coup de main, pour être jeune, pour créer sa association sportive là. Et là, il y a une autre façon aussi pour recréer aussi ma lien en banalitant. Les lamas enfants, là où ils sortent de l'école, faire des autres dans le port, tout le monde, c'est une occupation. Quand on finit l'occupation, on va jouer un peu, tout le monde. Si la rétention change de l'affiliation de la NHDC cité et est-ce qu'il peut trouver en exactement avec le. Mais nous n'est plus qu'à cité. Moi, vous ne pouvez pas dire que vous avez résidence de la NHDC. Vous connaissez, moins enfants cités. Moi, je suis dans cité Borglise. Et mon suis dans cité ville, mon dans cité ville même pour Bassin. Mais toujours, nous avons toujours aussi, nous parlons pas de la cause. Nous avons dit, c'est pour ça, ministre, ce sont les résidences. Et vous trouvez aussi quand nous pouvons donner la case, nous pouvons donner la case accompagnée d'autres choses. Nous ne pouvons pas donner 17 toits. Longtemps, nous devons donner un toit avec un accompagnement d'un espace vert. Nous pouvons donner un trottoir, un joli trottoir. Nous pouvons donner tout le monde un boulodrome. Nous pouvons donner une crèche si vous avez une crèche aussi. Nous pouvons donner une salle polyvalente. Quand il y a un grand aussi, nous pouvons donner aussi. Ouais, planter quelque part où on a le point de sable, on trouvait qu'on a porté une caméra d'alvée, d'épinée. 5 étoiles. On va donner seulement un la case. On va donner seulement la case. Et ça, nous pouvons, nous aimons aussi, nous pouvons accompagner aussi pour que God vit bien aussi. Pas de données. C'est surtout mon accompagner pour qu'il le garde correctement. C'est pour ça que nous avons créé une association copropriétaire qui se fait une chaîne garde dessus, je l'accompagne, je garde. Parce que vous venez d'une résidence, il faut qu'à la défense, on a des gens, on a pas envie de faire rien. Mais on a 8 gens, ils ont envie de faire quelque chose pour le bien-être de ceux qui ont des entourages. Non, appellation, c'est infini ça. Et ça, il faut vous trouver, ça, il faut être. Quand vous faites un pas de fête là, il faut créer un lien, un. Vous connaissez pendant tous les 15 jours, on fait une fête. Tous les 15 jours, j'espérais que vous venez là, j'espérais que vous accompagnez nous, j'espérais que vous mettez bien en phase ou là, pour vous me dire, connaissez, quand nous faisons, tout ne se passe pas bien aussi, bon, écrire, et quand on fait bien, de là, il y a pour autant de pas nous là, mais Dieu t'en va aller aussi, voilà. Ce qui est là, c'est capable dans les nôtres, de l'île, il y a un grand centre qui sont aussi. Et toute votre famille, je vous dis en famille, ça. Pour accompagner tout ça.
Vous me dites aussi construction de nouveaux infrastructures comme le jardin d'enfants, etc. Mais vous voyez, c'est remise en état de c'est déjà une. Ça ne pas, là, pour le moment, pas la grande remise en état, comme je dis, vous êtes là. Si dans une résidence, un RDC, il y a 15 ans, de cela, tu n'as pas besoin d'attendre. Si on dit dans une famille, dans un état de la vie, c'est à l'association de propriétaires ou de syndicats qui sont là de mettre en place une vraie association qui existe. Par rapport à ça, vous avez l'EDECAN CSR, quelque part, qui est dans la région, une entreprise, et vous autres remettez ça dans les enfants. Après, parce qu'il y a là, il faut ça. Il faut ça. Vous remettez en place de là, vous autres. Étant donné qu'ils ont une association, qu'ils ont pouvoir, ils ont pu faire un chien de garde, ils ont pu veiller là. Je ne vais pas vous dire, vous me cassez tout. Vous accompagnez, vous pouvez dire, sensibiliser, pas de là, pas de mettre ça, vous pouvez dire, pour la sujet tantôt, vous faites des autres, vous faites tout. Vous pouvez dire, le bien-être des enfants, des enfants. Parce qu'il y a une parent, une famille. Ils vivent sur tout ce qui est sur leurs enfants, non? Ils vivent sur la, ils travaillent dans la tête en plus, c'est pour l'avenir de ses enfants. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, comment dire, c'est pas des enfants qui ne vont pas faire une fête là pour demain. C'est certainement des futurs citoyens de demain de l'Union Maurice. Ils ont besoin de valeur, ils ont besoin de valeur pour ça.